Comment? Ça va? Ça va et toi? Tiens, je t'ai fait ton café. Ah, merci frérot. Dépêche-toi, hein, tu vas être en retard. Frérot, je peux te poser une question sérieuse? Ouais, bien sûr. Mais tu te moques pas? T'es déjà sorti avec une meuf dont tout le monde se moque? Genre la honte de sortir avec elle. Ah. Tu seras avec Godzilla ou quoi? T'as vu, t'as eu promis. Non, non, non. Non, mais franchement, si tu kiffes sur une meuf, commence pas à écouter les uns et les autres. Hein. Fais ce que t'as à faire. Sinon, tu vas avoir des regrets. Ouais. T'as du goût, non? Bah ouais. Bah voilà. Sérieux? Bah ouais. Bah oui. T'as raison, t'as raison. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Et je commence mon nouveau travail aujourd'hui. Mais non! Ouais, enfin! Ouais. La moula! Ouais, nouveau survêt, tu connais les baskets, tout. Calme-toi, calme-toi. Je vais beaucoup travailler de la maison par contre. Ah ouais. Ouais. Bon, je vais aller faire des courses. Il faut quelque chose? Ouais. Du courage, j'en aurais besoin. Mais non, t'inquiète. Travaille bien! Ouais, je t'inquiète, t'inquiète. Oui. Samy? C'est toi? Nadia? Ouais! Mais dis-moi, t'es pas censée être sur Bordeaux? Bah écoute, si, si, j'y étais là pendant 2 ans en école de police, et puis maintenant j'ai pris officiellement mes fonctions dans le secteur. Ok. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Tu sais que je venais à la boulangerie rien que pour toi? Je me dirais, j'étais pas le seul. Excuse-moi. Ah, le devoir m'appelle. T'inquiète, je connais. Si tu veux qu'on se revoie, tu peux peut-être me donner ton numéro? Eh bah écoute, c'est le même que depuis toujours. Ok. Alors je t'appelle ce soir? Ok. Par contre, tu feras gaffe, t'es sur écoute. Quoi? Comment ça? Bah je suis flic. Je plaisante! Ah ok. Quel con. Quel con, pardon. Quel con. Je t'appelle ce soir alors? Ok, on fait ça. Bah bonne journée. Bonne journée. Nouvelle déco, hein. Ça paye, hein. Mais je vous remercie. Asseyez-vous, si vous le voulez. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ça va. Mieux? Ça va. On va procéder à la suite. Il en pensait quoi, votre meilleure amie Mouloud, de Marie? Marie, elle était pas trop au goût de Mouloud, hein. Je sais quoi, on va manger, là. T'as pas fini avec ton message encore? Non, non, il est long, il est long. Mais tu sais quoi, je te rejoins, au pire. Va, t'inquiète. Mais t'es chelou, on devait aller manger ensemble, qu'est-ce que tu fais, là? Vas-y, t'inquiète, 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 je te rejoins, t'inquiète. Mais j'ai rien à faire, tu vois. T'as chié aujourd'hui ou pas? Non. Bah va chier, tu me dis comment c'était. C'est important de faire caca. Je vas-y, 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 t'inquiète. Ouais, tu fais des faces bizarres, toi. Voilà, t'es t'inquiète, bizarre, mon gars. Désolé. Laisse. Je t'ai rien demandé. T'as fait exprès, tu crois que je t'ai pas vu? Eh, hey, arrête de faire ta sorcière, je voulais juste aider, moi. Oh, pardon, merci d'avoir renversé mes livres, c'est trop aimable. Hé, hey, roi, incroyable. Je savais pas que devant le mot magnifique, il y avait ta photo. Bon, écoute, Marie. Je vais pas passer par 4000 chemins. Je te plais. Pas se mentir. Je pense que tu me plais. Donc, on voit. On voit quoi? Bah, on voit ce qu'il y a à voir, quoi. En secret. T'as capté. En secret, ouais. Parce que t'as raison, évidemment. Comme disait Molière. Tu connais Molière? Oui. Vivons heureux, vivons. Caché. Écoute, je sais pas si c'est un pari avec tes potes, mais il faut que t'arrêtes là. J'ai pas honte de qui je suis, d'accord? Donc arrête, laisse-moi tranquille. Tu plais! Tu plais!
Je présente Smith. Il va nous aider à améliorer le trafic. Resto. Habituons-nous dès aujourd'hui à dire le mot resto plutôt que trafic. Ok, très bien. Mais habitue-toi à attendre que je te donne la parole. C'est la première là dans la fois que tu me coupes. Désolé chef, ça n'arrivera plus. Et pourquoi il a un masque comme ça là? Et pose pas de questions. Je peux commencer chef? Vas-y. Ouais, je dis moi. Quoi? Je crois que je t'ai pas vu avec la petite Marie là. En fait, tu la dragues. Tu la harcèles pas après. N'importe quoi. Je suis choqué, tu me dégoûtes. Et moi je croyais que tu la harcelais, tu sais ou pas? En fait, tu la harcèles pas. Mais peut-être t'es malade. Ah, je préférais quand je pensais que tu la harcelais, frère. Ah. Et toi, t'es complètement fou. En plus, c'est ce qui paraît. Oh là, on m'a dit ça, on m'a dit quoi? On m'a dit que tu t'es pris un vent. Par Marie, frère. Faudra remettre ça en question, frère. Donc moi, je me prends un vent. Oh, et toi, tu crois comme un gros teubé. Vas-y, concentre-toi dans le match, là. Je vais raconter de la merde. Mais frère, c'est pas une grosse perte. Elle a une teutée, frère. Tu perds rien du tout, frère. Mais vas-y, ferme ta gueule. Ça se voit, ta mère, elle a pas pris de plaisir avec ton père quand elle t'a conçu. T'es mal, ta vieille gueule écrasée, là. Oh, Dieu, là, ça touche. Ça me touche, quoi. Tu es devenu une petite pisseuse, quoi. Tiens, 3-0. Lâche la manette. Mais frère, tu veux que je la donne à qui? On est que deux. Vas-y, j'ai pas de jouer avec toi. J'ai envie de jouer contre l'ordinateur. Ah, ta fille était constipée, t'es good. Tout blanc, tout pâle. Nous préparons les commandes en cuisine et on termine la livraison à l'encaissement. C'est qui les caissiers? Je vais y venir. Une fois la commande passée, elle est transmise en cuisine. Ouais, je suis devenu top chef ici ou quoi? Franchement, ça va être très compliqué s'il faut travailler dans ces conditions. Je crois qu'on est là pour rigoler. Quelqu'un encore a besoin de faire le comique? Bien. Tu peux continuer. Donc je disais, la commande est envoyée en cuisine. Si c'est un client clean, on lui prépare la marchandise. Si c'est un client douteux, on lui prépare ce qu'il va réellement commander. Je comprends pas. C'est quoi la différence entre la marchandise et ce qu'il va commander? Voici la nouvelle carte du resto que l'accueil devra mémoriser. Tacos merguez égale barrette de shit. Tiramisu coco égale sachet de cocaïne. Burger vegan égale pochon de bleu. Bref, une nouvelle carte sera mise à disposition. C'est bien beau ce que tu dis, mais on te connaît même pas, on voit même pas ton visage. Qui nous dit que t'es pas un flic? Je comprends ton inquiétude, mais sache que je suis là juste pour travailler, tout comme toi. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a vraiment un flic parmi nous. Mais c'est pas moi. Je sais tout ce qui se passe. Je peux avoir accès aux données de chacun d'entre vous. Vous n'imaginez pas la force des nouvelles technologies. Même l'heure à laquelle vous pétez, je peux le savoir. T'es sérieux là? Y'a un taupe parmi nous? Je comptais venir juste après. D'abord, je voulais terminer sur deux petites choses. Premièrement, le chemin de production. Aujourd'hui, vous avez plusieurs spots de vente. C'est fini, ça. Nous aurons qu'un seul et unique circuit de production. Chaque service à sa place. Ça nous protégera des descentes. Et enfin, quatre personnes qu'il ne faudra jamais associer, car ce sont des personnes à problème. On peut tout perdre à cause d'elles. C'est compris? Ouais, c'est compris. C'est qui la taupe, maintenant? Mais t'es qui, toi, pour dire ça? N'importe quoi, les gars. Travaille à l'appui. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est une blague, les gars, c'est même pas. Mais... Les gars, mais n'importe quoi. Je te le dis, mais il va être. Nettoyez-moi ça. Voici une avance. Bienvenue dans la réalité. Rosa,
Ça sent un obturant, toi. J'ai cru que t'étais à l'internat. J'ai trop faim. Je pourrais manger du porc. Ouais, désolé, j'ai pas vu le temps passer avec le travail. Tiens, va te faire plaisir. Va manger dehors. T'es une escort girl ou quoi, toi? Merci, hein. L'escorte. Et rentre pas trop tard? Non, t'inquiète. Alors, comme vous le savez, nous n'avons plus de nouvelles de Djibril. Donc, l'enquête ne s'arrête pas là, au contraire. Nous allons continuer pour lui. Et c'est pour ça que je vous présente Nadia Ivanova, qui vient de nous rejoindre. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que Nadia travaille sur le dossier d'Ambele. Elle a réussi à se rapprocher de lui et à créer une vraie relation de confiance. Il n'a pas dû rester très longtemps, hein. Puis, elle aura aucun mal à infiltrer le réseau. Exactement. Nadia, vous vous sentez prête? Affirmatif, chef. Chef. Allô? Salut Nadia, c'est Samy, ça va? Samy, ça fait plaisir. Cool. Dis-moi, je me demandais, t'as mangé? Sinon tu pourrais peut-être m'inviter chez toi. Parce que m'inviter chez toi, c'est trop compliqué? Ouais. Bref, par contre, je te préviens, c'est un peu le bordel, hein. Ouais, mais au moins, il n'y aura pas mon frère. Tu m'envoies l'adresse? Ça marche, on fait comme ça. Dans une heure? Ok. Oh, Marie, qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci? Je vais finir par croire que tu me suis, toi. N'importe quoi, vas-y, sérieux. Bah, j'étais au sport, je rentre chez moi. Viens, je t'ai apporté ton sac. T'as mangé? Bah non, parce que j'étais au sport. Bah vas-y, je t'invite. Ouais, c'est sympa, mais j'ai pas trop envie de me poser dans un grec, là. Je suis pas à l'aise. Je suis pas bête, hein. On prend emporté, on mange vers chez toi. Bah ouais, vas-y, si tu veux. Vas-y, je m'occupe du sandwich, tu bois quoi? Bah, quitte à niquer totalement ma séance, prends-moi un coca chérie, s'il te plaît. Chérie! J'ai dit, je t'ai pas eu le grec, hein. Je t'ai pas dit, je veux me fiancer avec toi. Allez, chérie! Mais tu m'as pas raconté ta journée, ça a été? Surprenante, mais intéressante. C'était mon premier jour, à vrai dire. Mmh? Ouais, j'ai vraiment galéré à trouver un travail à la hauteur de mes compétences. Sérieux? Ouais. Mais ça valait le coup. Franchement, là, dans mon travail, je m'épanouis vraiment. Mon patron me fait totalement confiance. J'ai carte blanche sur toute la production. Oh, c'est top, ça! Ouais. Et toi, alors? Réunion stressante? Dois-je comprendre qu'on travaille dans la fonction publique? Ah 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 ah, très drôle. Eh ben oui, tu vois, à peine arrivé et déjà pas mal de mouvements. Je peux pas trop t'en parler parce que c'est confidentiel, mais ça bouge déjà bien. Et puis, on a pas mal d'enquêtes, là, à terminer prochainement. Ok. Mmh. Et est-ce que j'ai le droit de m'intéresser à toi ou tout est confidentiel? Bah écoute, t'as qu'à me faire un interrogatoire et puis tu verras bien. Ok. T'as des frères et sœurs? Non, je vis toute seule avec mon père. Ah, moi aussi, je vis tout seul avec mon grand frère depuis que mes parents ils sont décédés. Mon grand frère, il s'occupe de moi. Après, je m'occupe de lui aussi. Crois pas, je suis pas un bonhomme. Non, t'inquiète, je juge pas. C'est chaud pour tes parents. T'avais quel âge quand ils sont morts? Bah, mon père, quand j'avais 11 ans, d'un cancer du foie. Après, ma mère, quand même, m'a dit, il aimait plus l'alcool que la foi. Et ta maman? Un an plus tard, malheureusement. Oh. Du coup, mon grand frère Samy, depuis qu'il a 19 ans, il s'occupe de moi. C'est comme un grand frère pour moi.
Bah ouais, c'est ton grand frère. C'est normal. Ah. Sinon, tu fais du sport ? Ouais, je fais de la danse urbaine, du hip-hop. Ah, c'est pour ça que t'es sapé comme un mec. Pardon ? Bah, on dirait que t'as volé les affaires à Tupac. Sinon, t'es dalmatien, c'est vrai, ça ? Je suis dalmatien. Ouais, ceux qui confondent les couleurs, là. Daltonienne ? Ouais ? Bah non, je suis pas daltonienne, je vois très bien. Oh, ça veut dire que tu vois le BG en face de toi, là. Quel BG ? C'est bon, sinon ? Et du coup, il fait quoi, ton petit frère ? Ah, mon petit frère, il passe son bac. D'ailleurs, je t'avoue que je suis un peu inquiet, quand même. Ouais ? Ouais, tu sais, il est influençable. Excuse-moi. Wow, j'avais pas vu l'heure. Je vais devoir y aller. Ben, tu peux dormir ici si tu veux. Enfin, le canapé est confortable. Ah, ouais, ça aurait été vraiment avec plaisir, mais mon frère, c'est un peu aussi un abruti. Il a oublié le double des clés. Ok. Je vois. Ben, merci en tout cas. Ben, je t'en prie. À toi. Ouais. Merci. Bisous. Fais attention sur la route. Ouais. Alors, en tout cas, ça fait plaisir que tu sois venu, hein. Bah, écoute, je refuse jamais de mettre la raclée à quelqu'un sur FIFA. Hein. C'est quoi, je vais être gentil, prends Barcelone, je prends ceux-là. Mais tu me respectes pas, en fait. Prends l'équipe que tu veux, comme ça, t'auras pas d'excuses après. D'accord. Les gars, le nouveau circuit débutera dès demain. Si vous avez des questions, posez-les à Smith. Smith ? C'est bon pour moi. Dernière chose. Comme vous le savez, il y avait une taupe parmi nous. Il a été éliminé. C'est ce qui arrive aux traîtres. À partir d'aujourd'hui, c'est Elena qui le remplace. Les femmes, ça a toujours été son point faible. J'espère pas finir comme ça. Tu crois qu'il la baise ? À ton avis ? Ouais, c'est sûr. Il la baise. C'est sur la barre. Et là, wow, 3-0 Elvin là. Tu crois que t'allais me battre là? Folle. Ouais, par contre, si tu pouvais éviter de me parler comme à tes potes de cité, ce serait cool. Ah ouais. Bah si je suis pas ton pote de cité, je suis quoi pour toi? À toi de me le dire. C'est là où tu m'as dit que tu faisais de la danse, non? Fais-moi un petit truc. C'est quoi? C'est hip-hop, Krav Maga? Ouais, c'est du hip-hop. Mais je vais rentrer là, du coup. Je suis fatiguée. Pourquoi? J'ai dit quelque chose de mal? Ah non, pas du tout. J'ai passé un super moment. A plus. Oh, attends, juste parce que je t'ai battu, mais... Quel était le type de relation qu'entretenaient votre frère et Nadia Ivanova ? Qui ? Hey ! Coucou. Tu viens ? Ça va, t'as l'air bizarre. Ouais, je... Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais avoir une nouvelle mission ? Mmh. Eh ben, en fait, ma mission, c'est de... intégrer le réseau de trafiquants dans lequel on avait un infiltré. Je devrais pas t'en parler. C'est juste que ça me stresse. Non, mais... Hey, calme-toi. C'est bon. Et... Ton collègue, tu sais où il est ? Bah, j'ai appris aujourd'hui que il a été démasqué et pour moi, ils l'ont tué, quoi. C'est un truc de fou. Et qu'est-ce que tu comptes faire ?
Je sais pas trop. Soit j'arrête là, soit je continue ma mission et je les fais tomber. Oui, bah arrête. Tu sais pas de quoi ces gens sont capables. Ah, mais c'est mon métier aussi. J'ai signé pour ça. Et puis leur boss a intégré un mec hyper mystérieux, un Smith, qui était pas dans nos fichiers et... Faut vraiment que je creuse ça. J'avais mes raisons. Petit frère compte sur moi, ils connaissent rien sur moi. Et puis n'écoute pas les autres car les autres ils sont sur moi. Y'a trop de monde sur moi, et puis y'a rien qui m'atteint. À tout moment je peux me faire sous.